la visite commence par la place du Duomo avec sa célèbre cathédrale qui a été construite en plus de 6 siècles, je crois. Ça, c'est pour la petite anecdote. Et la galerie Emmanuel II. Bon, si j'ai un conseil pour la visite, allez-y tôt, parce qu'à partir de 10h, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ah, mais t'étais là ? Allez à la galerie Emmanuel II, il ne faut surtout pas rater la mosaïque du taureau au sol. Selon une légende, si l'on réalise sur les du taureau 3 tours complets avec du talon droit en faisant un vœu, celui-ci se réalisera. Malgré le fait que ça soit simplement une légende, beaucoup s'essayent à cette tradition vieille de plusieurs siècles. Nouvelle incontournable à Milan, les Navigli, un quartier situé dans le sud de Milan. On va retrouver les canaux, mais aussi l'apéritivo. En gros, c'est l'équivalent des happy hour chez nous. Et il y a toujours quelque chose qui est offert. D'ailleurs, en parlant d'apéritivo, il est peut-être l'heure là. Allez, c'est parti.